Quai numéro 5 n'est pas du tout un projet de vulgarisation de la musique classique. C'est un projet fait par des musiciens pour faire de la bonne musique qui s'adresse effectivement certainement à un public très large, mais ce n'est pas du tout pour vulgariser la musique classique, la mettre à la portée de tous. C'est que simplement, les gens qui connaissent la musique classique vont s'amuser à retrouver des influences, et puis ceux qui ne la connaissent pas vont écouter des jolies musiques et des beaux morceaux, et joués par d'excellents musiciens. Et peut-être après, ils vont peut-être effectivement écouter l'œuvre originale, mais ce n'est pas un projet de vulgarisation. L'idée de Quai numéro 5, ça m'est venu en tournée. J'étais à New York, et un soir, je suis allé écouter un concert de jazz. Et le lendemain matin, avec l'orchestre, on jouait du Mozart. Et je me suis dit, tiens, j'écoutais la musique de Mozart, qui était magnifique, et je me dis, est-ce que ce matin, Mozart, s'il était allé au concert avec moi, est-ce qu'il aurait pensé sa musique différemment? Est-ce qu'il l'aurait imaginée un peu différente? Est-ce qu'il aurait changé des choses dans son concerto? Et on a continué la tournée en Argentine, au Brésil, et j'avais toujours ma petite idée. Je me disais, tiens, et si Bach, là, on avait écouté un concert de Choron ensemble, est-ce qu'il aurait changé sa musique? Et donc l'idée de Quai numéro 5 m'est venue comme ça, parce que comme je ne trouvais pas de réponse, j'ai commencé à écrire des morceaux pour proposer une réponse. Pour le moment, j'ai détourné des œuvres que j'aime particulièrement, comme le mouvement lent du 23e concerto de piano de Mozart, comme la sonate Arpeggione, comme Jésus que ma joie demeure. Et je m'amuse beaucoup à mélanger un petit peu ces musiques. Je pars vraiment du principe que le nouveau morceau doit s'adapter au nouveau genre que je lui donne. C'est vraiment un projet très artistique. Et c'est vrai que j'écoute autant de Carlo Jobim que Schubert pour ses mélodies. J'écoute autant les grands orchestrateurs Ravel ou Quincy Jones ou les harmonistes comme Bill Evans et Schumann. Et donc mélanger toutes ces musiques me donne une grande joie. Et avec de la bonne musique, on peut faire que, j'espère, que de la bonne musique. Je pense que toutes les œuvres peuvent sortir de leur contexte. L'art a toujours évolué et s'est toujours nourri. Les compositeurs se sont toujours inspirés les uns des autres. Et non, je pense que pour le moment, peut-être que je changerai d'avis dans quelques années, mais toutes les compositions peuvent se prêter à ce genre d'exercice. Le groupe de Quai numéro 5, moi j'en ai rêvé. J'en ai rêvé parce qu'il est composé de musiciens extraordinaires. Alors, il y a mon complice de longue date, Jean-Marc Philippe Arjabidian au violon. Il y a Paul Mindy aux percussions, Romain Descharmes au piano, Jean-Luc Manquet à l'accordéon. Ce sont tous des musiciens extraordinaires. Moi, je complète le groupe avec la contrebasse, la guitare et l'harmonica, et on s'amuse beaucoup. Vincent Segal, en tant que réalisateur, était pour moi une évidence. C'est un musicien exceptionnel qui a commencé son parcours musical avec des études classiques, puis ensuite est allé vers les musiques improvisées. Et moi, j'ai fait tout l'inverse. J'ai commencé la musique classique très tard, en faisant des musiques improvisées. Donc c'était évident pour moi que nos chemins se croisent à un moment donné. Et c'était le parfait moment. C'était le parfait moment. Donc j'ai tout de suite pensé que c'était la bonne personne pour améliorer le chemin vers lequel on allait. Et c'est adjoint sur ce projet Dominique Le Dudal pour le son, qui est ingénieur du son, et donc qui, lui, venant du rock, il bouclait la boucle, et je crois que du coup, ça fait un mélange parfait.